J'ai d'abord, la médecine de premier recours, à mon avis, il vaudrait mieux parler de médecine de proximité. Là, c'est un des points de désaccord que nous avons avec la ministre sur ce point-là. La médecine de premier recours sous-entend qu'il y a du médecin de premier recours, des deuxièmes recours, des troisièmes recours, et puis, etc. Et donc, c'est une vision filière gatekeeper qui est présentée à travers cette notion-là. En revanche, si on parle de médecine de proximité, chacun sait ce que ça veut dire. Ça veut dire des praticiens, un ensemble de professionnels qui sont autour et à proximité d'un patient. Il y a certes un interlocuteur et un acteur capital qui est la médecine générale, mais il n'y a pas que la médecine générale. Il y a d'autres acteurs qui interviennent en médecine de proximité. Et un grand nombre de spécialités cliniques, notamment, sont des spécialistes de proximité. Et il en va de même, bien sûr, des autres professionnels de santé qui, eux aussi, ont un rôle à jouer en matière de médecine de proximité. Aujourd'hui, c'est le flou qui anime et qui domine dans cette affaire. On a l'impression que le gouvernement lance des rapports un peu partout, il lance des expérimentations multiples, sans savoir finalement où il veut aller. Alors il appelle ça dans le terme cosmétique, stratégie nationale de santé, mais qu'est-ce qui vraiment y a derrière tout ça? Donc nous sommes sur notre faim. Alors il lance des débats régionaux, certains vont débuter dans les jours qui viennent, ça nous rappelle quand même quelques mauvais souvenirs. Ça nous rappelle les mauvais souvenirs, en particulier du plan Juppé de 1995, et ça nous rappelle de façon plus récente ce qui a été employé, c'est les états généraux de l'organisation de la santé, le fameux EGOS de Mme Bachelot, qui a donné lieu à la fameuse loi HPST, loi hôpital, patient, santé, territoire. Donc nous sommes extrêmement vigilants et très inquiets face à cette stratégie nationale de santé.